Nastia. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai joué avec mes chats. C'était bien. Waouh, c'est bien. J'aime ton serre-tête. J'aime le tien aussi. C'est très joli. Oh, bonjour, professeur. Où est notre professeur? Je sais pas. Il est pas là. Où est-ce qu'il est passé? Où est notre professeur? Je sais pas. C'est comme s'il avait disparu. Il est jamais aussi en retard. Je pense que quelque chose lui est arrivé, Nastia. Appelons-le. Bonjour, professeur. Où êtes-vous? Oui, où êtes-vous? Est-ce que vous allez bien? Oh, je suis malade, les gars. Désolé. Oh, on va vous rendre visite. On arrive bientôt. Ouais. Ok, allons-y, et vite. Bonjour, professeur. Vous allez bien? Comment vous sentez? Il a froid. On doit le réchauffer. Allez, allons-y. On a besoin de plus d'eau chaude. Oh, chaud, chaud, chaud. Oh, oh, trop chaud. Oh. Il est chaud. On doit aller chercher de la glace pour le rafraîchir avant qu'il ait trop chaud. Allez. Oh, il a froid à nouveau. Stop! Tu dois en apprendre plus sur le soin accordé à ceux qui sont malades. Demandons à Internet. La première chose à faire est de prendre la température du patient. Oh, ok. Je comprends pas ce que ça veut dire. Regardons une vidéo. Ouais, et après on saura. Une température inférieure à 36,6 degrés Celsius et 98,2 degrés Fahrenheit est une température corporelle normale. Une température supérieure à 38,5 degrés Celsius et 103,3 degrés Fahrenheit n'est pas bonne. Une température plus élevée que cela est une très forte fièvre. Alors, ça veut dire qu'il a une très forte fièvre? Il a besoin de médicaments? Ouais. Cela va aider. Ensuite, vous devez aérer la chambre du patient. Oh, ok. Oups. Uh-oh. La personne malade doit boire plein de boissons chaudes. Okay. On doit lui préparer une boisson chaude saine. Avec de la vitamine C. Peut-être plus. Ouais. Oui. Et plus. Parfait. La personne malade doit beaucoup se reposer et dormir. Oh, ok. C'est bien qu'aujourd'hui on n'est pas à école. Ouais, allons jouer. Génial. Hey, les gars. Oh, je me sens mieux. C'est l'heure de l'école. Oh. Next video. Papa, est-ce que je peux avoir une soirée pyjama avec mes amis ce soir? Ok. Hello. Salut Anna. Salut. Salut Clara. Salut Martin. Yay. Yuri. Ah. Est-ce que tu peux m'aider avec mes bagages? Oui. Merci.
Yuri! J'arrive! Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière ne fonctionne pas! Ah, ok! Ouais! Merci! Yuri! Yuri! Martin! Oui! Ah? Tu peux m'aider? Oui! Merci! Papa! Papa! Nastia? Qu'est-ce qui s'est passé, Nastia? La télé ne fonctionne pas! Merci, papa! Yuri! Claudia! Yuri! Est-ce que tu peux m'aider à ouvrir cette bouteille, s'il te plaît? Bien sûr! Oh! Merci! Hooray! Yuri! Allah? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ventre me fait mal! Ok, attends! S'il te plaît. Merci. Yeah! Yuri! Martin? Tu peux jouer avec moi, s'il te plaît? Ok. Papa! Papa! Ah, Nastia? Une minute. Oui? Que s'est-il passé? On a faim! On veut manger! Est-ce que tu peux nous commander quelque chose, s'il te plaît? Un moment. Merci! Yuri! 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 Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est par là? Chut! Il est en train de dormir. Je pense qu'il nous aidait un peu trop et ça l'a beaucoup fatigué. Nous devons l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nettoyons la maison. C'est toi! Mon papa! Yuri, c'est toi! C'est pour toi! Oh, merci! Waouh! Cool! Et waouh, trop mignon! Et toujours aux parents! Next video! Nastia, réveille-toi! On est en retard! Réveille-toi! On est en retard pour l'école!
Porteur! Allez, on se dépêche! Tu es en retard! Oh, bonjour! Où sont tes pyjamas? Eh oh! Bonjour papa, est-ce que tu peux m'amener mon uniforme s'il te plaît? Ok. Ok, au revoir. Merci. Allez dehors. Oh, j'ai oublié mes livres de maths. Bonjour. Bonjour papa. Est-ce que tu peux m'amener mes livres de maths, s'il te plaît? Ok. Je t'attends. Il est l'heure de manger. Oh, je veux manger. J'ai oublié mon déjeuner aussi. Bonjour. Papa, papa, est-ce que tu peux m'amener mon panier à repas, s'il te plaît? Ok. Ok, dernière fois. Bonjour papa. On doit être organisé. C'est de l'école. Oui, bien. Bon travail les gars, super travail. Vous devez apprendre la responsabilité. Ok, ok, on le fera. À faire le soir. Prépare ton sac à dos. Prépare ton uniforme. Mets une alarme. Va-t'au lit. Bon travail. Bonjour, c'est l'heure de l'école. À faire le matin. Brossez vos dents. Petit déjeuner, s'habiller et le panier repas. Yummy. Bon travail. Papa. Bonne journée, Nastia. Next video. Comme tu veux. Salut, Evelyne. Tu es ma meilleure amie. Je peux jouer avec tes poupées?
Oh, non, 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 ce sont mes poupées. Tu dois partager. Non, je veux pas partager. Ce sont mes poupées. Désolée, je m'en vais. Au revoir. J'ai plein d'autres amis partout. Tu vas être mon nouveau meilleur ami. Salut. Jouons ensemble. Où est ma boisson? Donne-la-moi, donne-la-moi. Oh, ok. Trop chaud. Jouons. D'abord, pose-moi les cheveux. Oh, tu vas trop fort. Fais-moi les ongles. C'est fini. C'est terrible. Tu n'es plus meilleur ami. Tu vas être mon meilleur ami maintenant. Allons jouer. Et si on jouait? Oh, la lumière. Hey. Stop. Tu n'es plus mon meilleur ami maintenant. Ma meilleure amie. Allons danser et chanter. Ouais, allons-y. 1, 2, 1, 2, 3, go. Danse juste. Je vais chanter la chanson parfaite. 1, 2, 1, 2, 3, go! Tu es une mauvaise danseuse! Regarde-moi! Tu n'es plus ma meilleure amie! Nana! Nastia est ma meilleure amie. Je dois aller m'excuser. Salut Nastia, allons jouer avec mes poupées. Salut, oui, allons-y. Désolée Nastia, tu es ma meilleure amie. Tu es aussi ma meilleure amie. Allons jouer. Bonjour. Allez, j'ai une guitare. Je suis une princesse. Non, non, non,